Et nous avons la voix de la Mangala ici sur ce plateau. Lui, il s'appelle Maître Angoya. Vous êtes avocat, maître boxeur, parce que tout le monde est devenu maître. Il faut bien nous cadrer. Bonjour, précisez-nous. Bonjour, bonjour. Monsieur Nati, moi je suis non seulement avocat, je suis également l'aide conseiller juridique de la RTMC. Nous avons l'honneur de présider l'ASBL, la voix de la Mangala. La voix de la Mangala, vous prenez la parole de la Mangala en quelle qualité? Je prends la parole pour essayer de parler de ma province, parce que je suis en tant que natif, l'édifice de la province de la Mangala. Alors, parlez-nous un peu en général de la vie là-bas, avant d'aborder ce qui a frappé toute la République. Je parle du naufrage qui a, dans lequel on a perdu les gens, comme ça. Il y a eu beaucoup de pertes en vie humaine. Alors, mais avant d'y arriver, dites-nous comment ça se passe avec l'élection du gouverneur, vice-gouverneur, parce que c'est ça aussi qui compte. Si la tête est stable, la quai aussi suivra. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. Dans le cadre de nos objectifs de la voix de la Mangala, nous avons également la charge de pouvoir sensibiliser la population, sensibiliser nos élus corrects qui nous représentent au niveau de l'Assemblée provinciale pour la cause de notre province, pour la cause de la population de notre province de la Mangala. Alors, par là, de la province de la Mangala, nous avons été ici plusieurs fois pour solliciter qu'on organise les élections du gouverneur et vice-gouverneur de la province de la Mangala, parce que depuis qu'il y a eu d'échéance du gouverneur élu de 2019, M. Crispin Bundou, il fallait que le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur et la CENI, qu'on puisse organiser les élections du gouverneur et vice-gouverneur. Parce que depuis qu'il y a eu d'échéance, notre province a été soumise à un régime des intérimaires. On a connu plusieurs gouverneurs intérimaires, et voilà que dernièrement ici, le vice-premier ministre avait instruit à la CENI de pouvoir organiser les élections. Et voilà que, en ce jour, la CENI, qui est un organe technique, avait déjà publié les élections, avait publié les calendriers. Et je crois que si tout va bien, le 3 décembre, il y aura bel et bien les élections du gouverneur et vice-gouverneur au niveau de la province de la Mangala particulièrement, parce que ça va concerner toutes les autres provinces également où il y avait des problèmes, soit d'organiser les élections, soit pour le gouverneur, soit pour les vice. Mais pour nous, au niveau de la province de la Mangala, ce sera les élections du gouverneur et vice-gouverneur. D'accord, c'est bien compris. Ça sera d'ailleurs une satisfaction. Voilà, je suis arrivé. Une satisfaction pour tout le monde d'ailleurs. Alors, on est déjà précisé sur ce qui concerne les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Alors, parlons maintenant de pertes en vie humaine, du naufrage. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce que c'est vous qui maîtrisez bien ces coins-là. Dites-nous, c'était quoi les problèmes? Qu'est-ce qui a occasionné ça? Merci beaucoup. Avant de pouvoir aborder les points relatifs au naufrage qui est lié dans la nuit du 4 au 5 octobre de cette année, j'aimerais justement épingler quelques mots sur les élections du gouverneur et vice-gouverneur de la province de la Mangala. Il est vrai que nous avons nos députés provinciaux qui vont nous représenter lors de ces élections, qui vont nous représenter d'habitude de par leur mission légale qui sont comprises au niveau de la Constitution. Nous demandons à nos élus provinciaux qui vont nous représenter de pouvoir opérer les choix du peuple. Parce que la province de la Mangala, en ce jour, n'occupe pas une bonne position parmi les autres provinces de la République démocratique du Congo. Nous demandons à nos élus provinciaux de tenir compte de la volonté de la population de la province de la Mangala. Parce que nous avons connu des gouverneurs et des gouverneurs qui sont passés, mais qui n'ont pas pu aborder le développement de notre province. Alors, étant donné qu'en ce moment, il y a des gens qui viendront. Beaucoup de candidats sont même, qui se sont même prononcés. Je vois là, il y a même Maître César Limbaya qui fit l'aide ministre provincial du gouvernement passé. Et vous soutenez, j'espère, parce que vous avez... Non, j'ai cité, c'est pas son nom parce que c'est parmi les gens qui se sont prononcés.
en attendant que son dossier soit déposé au niveau de la CENI, mais c'est quand même l'un des fils de la prophète Kamoungala qui s'est prononcé. Il y aura tant d'autres. Donc vous avez quand même vos préférences en tant que... Bon, nous la voix de la Mongala, on n'aura pas de préférences parce que nous sommes humiliés. Donc tout le monde qui va se présenter sera la bienvenue pour compétir. Mm-hmm. Et donc voilà. Alors, nous demandons aux députés professeurs de faire un bon choix pour que les choix qu'ils auront à opérer puissent certainement répondre aux besoins de la population. Mm-hmm. Notre province est habitée à des problèmes sérieux, notamment les problèmes des routes. Nous avons martelé plusieurs fois que nous passons au niveau de la télévision pour parler des difficultés que connaît notre province. Raison pour laquelle les députés sont devant... Donc rien n'est fait jusque-là, les routes sont en état de délabrement. Nous avons démontré plusieurs fois ici. Et d'ailleurs, c'est là où je vais directement aborder la question du naufrage. Mm-hmm. Ce qui a occasionné que ce naufrage-là ait lieu au niveau de la province de Mongala, dans le territoire de Bumba, précisément dans les villages qu'on appelle Ngengele. Mm-hmm. C'était la combinaison des pirogues. La combinaison des pirogues et lorsque... La nuit ou la journée? La nuit. Donc il n'y avait même pas de lumière. C'est pendant la nuit. Il y avait des pirogues motorisées. Pirogues motorisées. On a combiné plus de 10 pirogues. Plus de 10 pirogues et il y avait 6 charges. Et pourquoi tout ça? C'est parce que l'état des routes... C'était le seul moyen de se déplacer. C'est presque actuellement la voie principale des gens qui vivent de ce coin-là, d'aller dans des petits marchés. Parce que s'il y a de bonnes routes, il y a d'autres personnes qui vont apprêter la voie routière pour faire leur propre commerce. Mm-hmm. Mais ce fait qu'à l'heure actuelle, l'état de nos routes ne permet pas des transactions, ne permet pas même que les gens puissent passer convenablement. C'est la raison pour laquelle les gens se disent, bon, qu'est-ce que nous allons faire? La meilleure façon pour nous de se débrouiller, c'est d'aller sur les fleuves là où il y a... Qui n'est pas une mauvaise chose. Parce non, qui n'est pas une bonne chose, mais... Qui n'est pas une mauvaise chose. Si par exemple que... Mais l'excès des charges, c'est pas le gouvernement, l'excès des charges, papa. Oui, je sais que l'excès de charges n'est pas la faute du gouvernement. Le fait de procéder par des chargements n'est pas le fait du gouvernement. Mais néanmoins, le gouvernement a l'obligation de pouvoir réglementer les secteurs de navigation. Mm-hmm. Parce que vous savez, lorsqu'on fait des navigations nocturnes, il y a plusieurs risques. Je vous ai dit tout à l'heure ici que cet accident a eu lieu à partir de 23 heures dans la nuit du 4 au 5 octobre à ces heures-là, ce que je sache, on ne se déplace pas, on accoste. Voilà pourquoi je vous dis, d'ailleurs, du lieu d'embarcation. Cette embarcation a quitté Mouengue, c'était à 20 heures la nuit. Or, si nous sommes devant les services de l'État qui sont compétents, qui sont rigoureux, ils ne peuvent pas autoriser la navigation nocturne. Le fait déjà de ne pas avoir les lampes, c'est que c'est une navigation frauduleuse. Ah oui, normalement c'est cela. Mais quand on se met à surveiller les surveillants, on est plus malin que les surveillants. Ça vous le savez, non? Oui. Peut-être ces gens-là surveillaient bien la côte en se déplaçant. Donc ne voyons pas directement l'autorité, voyons aussi la personne qui commet l'acte. Oui. Je vais ici préciser encore une chose. Vous savez, lorsque le gouvernement sur les images, c'est le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou qui est également fils du coin, et aussi la délégation la délégation la délégation du gouvernement central qui a effectué sa descente de Copation. La délégation était conduite par le vice-premier Jean-Pierre Liaou, le ministre des actions humanitaires Modeste Mutinga, le vice-ministre du budget et puis le caucus des députés et sénateurs de la Mongala et puis spécifiquement du territoire de Bouba. Lorsque cette délégation est arrivée, ils ont fait des constats. C'est entre autres l'irresponsabilité des services de l'État qui sont sur place. Parce que non, pas l'irresponsabilité de l'imprudence peut-être. C'est je ne sais pas moi, vous avez tout le monde, de l'imprudence, de l'irresponsabilité, tout ça. Ça fait partie du point que le gouvernement, lorsque cette délégation était sur place, a relevé un certain nombre de choses qui ont fait que ce qui est arrivé est arrivé. Mais maintenant, nous,
au niveau de notre structure, nous nous réjouissons tout simplement parce qu'après avoir lancé le cri d'alarme pour que le gouvernement central puisse descendre au niveau de la province de la Mongale et puis spécifiquement à Bumba, donc le gouvernement a entendu, le chef de l'État a donné des instructions fermes pour que, qu'il soit représenté par les VPM et toute l'élégation afin que cette délégation puisse compatir avec la population endeuillée parce que en ce jour on parle de plus de 100 morts, c'était beaucoup et donc étant donné que la délégation est arrivée et puis le gouvernement fait ce qu'il pouvait faire en attendant d'autres mesures idoines parce que d'ailleurs les points relatifs à ce naufrage avaient été débattus au niveau de tout dernier conseil des ministres et donc les rapports ont été présentés au Premier ministre et puis le président est suffisamment informé. Il y aura même des mesures idoines qui seront prises pour que ceci n'arrive pas au niveau de notre province. Je crois que le balisage est en train d'être fait parce qu'il faut aussi penser au balisage. Parce que le fleuve a besoin de l'entretien comme la route. Ouais. Est-ce que c'est déjà fait ou c'est un projet? Bon, c'est dans des projets. À long, mais, à court mais, terme. Mais oui, c'est dans des projets. Mais néanmoins, ce qui est très important pour nous, pour nous au niveau de la province de Mongala, ce n'est pas seulement ces balisages-là, mais c'est qu'on entretienne des routes. Surtout des qu'on ajoute des routes. Qu'on entretienne des routes de dessert. Pourquoi pas créer vous savez, pendant que, au niveau de la province de Mongala, on a besoin qu'on puisse entretenir la route nationale numéro 6. Cette route qui nous permet de pouvoir nous réunir avec les autres provinces voisines à la province de la Mongala. Parce que la Mongala se situe dans une position stratégique qui permet de pouvoir communiquer avec d'autres provinces voisines. À partir de la Mongala, vous avez la mobilité d'arriver au niveau de la Tchop. À partir de la Mongala, vous pouvez atteindre la province du Sud et du Nord Ubangi. Donc tout ce que la population de la Mongala peut produire en termes de produits agricoles, nous sommes capables de pouvoir le distribuer, voire même au niveau de la province du Nord Ubangi, Sud Ubangi, la Tchop et Bazouélé. Donc mais si l'état de route ne permet pas qu'il y ait fréquentation régulière. Donc vous verrez que les gens vont tout simplement utiliser du boulevard naturel qui est le fleuve. Mais là, maintenant, il faut que l'État puisse réglementer ce secteur. Il faut interdire de la navigation nocturne. Donc voilà un peu la situation. Ça, c'est bien dit. En tout cas, vous avez tout dit. Je crois que les autorités nous suivent et ils prendront les mesures possibles pour éviter que ce genre de catastrophe arrive parce que nous avons perdu plus de 100 personnes, c'est beaucoup. C'est irrécupérable en un seul jour. Donc, on est désolé, on compatit avec les familles touchées. Je crois que Dieu leur viendra à aide pour les réconforter parce que ce n'est pas facile, hein, de perdre quelqu'un qui est allé chercher. Voilà. Donc, nous allons tous compatir pour que tout. Ah bon, alors, ici à Kinshasa. Qu'est-ce que vous organisez, vous, la Voix de la Mongala, pour pouvoir atteindre toutes les couches de la population de la Mongala qui se trouve ici? Peut-être ils peuvent avoir quelque chose pour combattir en espèces, en argent, pourquoi pas, parce que ces familles-là doivent être soutenues. Oui, effectivement, depuis que cet événement a eu lieu, nous, la Voix de la Mongala continue à sonner dans les portes pour solliciter, non seulement, parce que c'est une situation qui a une dimension nationale. Nous avons lancé le cri d'alarme, mais pour que les dignes fils de la province de la Mongala en particulier, mais de l'ensemble des Congolais également, pour qu'on puisse venir en aide. Il y a déjà d'autres compatriotes de la Mongala qui ont essayé de poser des gestes pour compatir tant soit peu avec les différentes familles victimes de ces naufrages. Déjà à Bumba, il y a des délégations qui sont descendues. Tels que fils et filles de la Mongala qui sont descendus sur place là-bas. Il y a même l'aide d'autres qui s'est annoncé également d'effectuer sa descente. Il y a l'ambassadeur André Atundu Liongo qui s'est déjà annoncé de pouvoir venir en aide parmi tant d'autres, parce qu'ils sont très nombreux à effectuer les descentes pour compatir avec la population, avec le peu qui peut. À la RTNC, vous êtes combien? À la RTNC. Avant qu'on vienne vous secourir aussi. Nous sommes très nombreux. Je crois qu'à la prochaine émission, on va vous dire qui sont derrière nous au niveau de la province, au niveau de la RTNC. Ah voilà, alors un message de la fin pour aujourd'hui. Je crois qu'on va encore vous recevoir pour d'autres informations. Mais oui. Pour aujourd'hui, je crois qu'on se limite là par votre message de la fin. Le message de la fin, j'aimerais s'adresser particulièrement à nos députés provinciaux qui sont électeurs. Des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de la Mongala. Nous vous demandons de pouvoir être consciencieux.
je sais que vous êtes capable de mettre de l'argent de côté et élire un gouverneur qui a une vision du développement de la province de la Mongala. Et nous pensons que vous pouvez faire mieux, nous pensons que vous pouvez cette fois-ci aider les gouvernements provinciaux à aller de l'avant, mettre de côté toute forme de conflit qui ne font que reculer la province de la Mongala. Ce qui n'avance absolument en rien. Nous avons besoin de l'unité d'une fils de filles de la province de la Mongala. Et pour citer, je demande à tous ceux qui veulent compatir avec les différentes familles endeuillées à Bumba de continuer à le faire pour qu'ensemble nous puissions faire quelque chose. Ceux qui veulent également soutenir la voix de la Mongala, cette structure de jeunes qui réunit essentiellement les jeunes de la province de la Mongala de partout, avec les trois territoires, Bumba, Lissala et Bungandanga, la voie de la Mongala reste ouverte à toutes sortes d'assistance. Pour ceux qui veulent nous contacter, ils peuvent nous appeler par le 081 328 93 84. Merci beaucoup, maître. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, partager un peu sur la Mongala. Vous savez, il faut qu'on échange pour savoir ce qui se passe à l'intérieur du pays. Parce que notre Congo, c'est ça son devoir. Notre cahier de charge, c'est toute la République, pas Kinshasa. Voilà, merci beaucoup pour vous dire au revoir.